La nuit, il vous illumine. Un éclair de guenille. Tous les mercredis, 22h-23h sur VL. Écoutez, appréciez, délectez-vous de cet instant mirobolant. Ah, c'est vous qui mettez la voix. Chaque semaine, on teste un nouveau jeu. Un jour, c'était le ni oui ni non, donc un classique. Un autre, c'était rigole si tu peux, on essaie de ne pas rire sur des blagues qui étaient affreuses. Okay. Et là, on part sur l'Olympe des limitations. On vous a donné... est-ce qu'on vous a livré? Oui, on m'a livré, oui. Une fiche avec des noms de personnalités. C'est ça, exactement. Vous allez devoir imiter cette personnalité. Mais attention, on va devoir la deviner. Si on ne devine pas, ben c'est pourri. Et si on le gagne, vous avez tout remporté. Est-ce que vous avez compris ou c'est encore très flou? Non, c'est opaque. Mais c'est on a mal. Tout remporté. Je vais vous faire un premier exemple, d'accord? Je vais vous imiter quelqu'un, vous essayez de deviner. Vous êtes prêts? C'est parti. Ce soir, je vous propose de découvrir... Maxime Guény. Presque. Qui était vraiment Stéphane le Bern. Bon roi Henri? Bravo. Ah, Stéphane Bern. Bravo. Et finissez. Juste après. Ce soir, je vous propose de découvrir qui était vraiment le bon roi Henri. De plonger au cœur de ce... Merci. Donc voilà, toutes les personnes vont pouvoir participer, même toi, Olympe. Ouais. Okay. Mais tu sais qu'on va pas le faire aussi bien que toi. Hein. Quoi, on va... L'idée est d'en rire. C'est que ce soit pas bien. L'idée est d'imiter le même que vous ou d'imiter quelqu'un d'autre? Mais quelqu'un d'autre. On doit deviner. Sinon, le jeu n'a plus aucun intérêt. Parce que si on s'auto-imite. On va commencer par Cédric. Vous faites le malin. Attention. Oh là là. Cédric, vous êtes prêt? Concentration. On va essayer de... Ok. C'est très très bon choix d'imitation. C'est parti. Oh, je sais pas si c'est à chaque fois, mais ça peut arriver, ça fait partie des impondérables. Mais bon, sur le plan tactique et technique, c'est le talon d'Achille. C'est plutôt pas mal, bravo. Bravo. C'est Philippe Cordeloro, c'est ça? Exactement. Voilà. Ah, il sait pas Olympe, non, Olympe ne sait pas. C'était Nikos. C'était Nikos, ouais. Quoi? Non. C'était Didier. C'était Jennifer. L'entraîneur de l'équipe de France, quand même. Okay, grande équipe de France. Ouais. Mais je suis nul en foot, je déteste le foot. Ah oui? C'est vrai? Bah, on est deux, hein. Désolé. Donc, ouais, à chaque fois qu'on me demande c'est quoi ton équipe préférée, bah, je dis l'équipe de France, ça n'est pas régulé tout le monde. C'est là qu'on voit que c'est un mec qui connaît rien au foot, c'est quand tu dis l'équipe de France. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de souci. Il y a Grigri, il y a Grisou, il y a Griezmann. Grisou. Grigri. Après Zizi, il y a Zizou. Oh, alors ça c'est bon. Elle n'était pas voulu celle-là. On enchaîne avec Maxime Rioux. Attention. Excusez-moi, est-ce que j'ai été bisuté aujourd'hui? C'est un bisutage en fait, en direct. D'accord. C'est toujours très gentil avec nous. Je vois ça. Alors. C'est un métier assez éphémère. Jean-Marie Le Pen. Surtout de ma génération. Rambo. Les artistes sont jetables. Sylvester. Un métier qui se casse la gueule. Amandalia. C'est vrai. Studio Daniel. C'est vrai que reconnaître un succès comme ça, là où je l'attends le moins. Jean-Marie Bigard. Non. Ça aurait pu. C'est un chanteur. J'aurais jamais pensé avec un succès sur un album Rhythm and Blues, celui qui n'a jamais été seul. Oh là, mais c'était Garou. Pas vrai. Ah non, elle a deviné. Non mais pardon, mais il était où ton accent québécois? Tu l'as oublié chez toi? Ah quoi? C'est vrai que l'accent québécois. Bah, oui. Bah ouais, tabernacle. En vrai ça donne ça. Écoutez. Et j'avais complètement zappé. Surtout de ma génération. Ah bah oui. Il est dans l'accent. Moi j'avais tout misé sur le côté voix. Ah bah on était dans le Jean-Marie Le Pen là. Ah ouais, moi j'aurais dit. Est-ce qu'on peut juste dire que Maxime Rioux imite super bien Jean-Marie Le Pen? Il vaut mieux que faites un petit coup Jean-Marie Le Pen, il est extraordinaire. Bah oui, le faire en même temps avec. Alors oui. N'est-ce pas, monsieur Guény, n'est-ce pas? Voilà. Merci Jean-Marie. Nous passons à la personne suivante. Et n'hésitez pas à réagir sur la merveilleuse imitation de Maxime Rioux sur un hashtag un éclair c'est de Guény. On enchaîne avec Anthony. Alors, on t'a mis quelqu'un là, quand même. Bah oui, quand même. De français, hein. Mais tu attention au RH, paf, boum! Demain à 11h30. Mettez vos montres à l'heure, blou, 16h17, je demande un volontaire, pif, paf, pouf, Marie pour se mettre tout nu au milieu des nudistes. On n'a pas reconnu, mais c'était Louis de Funès, bravo! Ah, bravo! L'aile et la cuisse, vous ne l'aurez pas aujourd'hui. On enchaîne avec Damien. Alors Damien, on se compte sur facile. Vous, parce que là, c'est le classique du classique. Ah bah, à partir du moment où je vais dire les trois premiers mots, vous allez forcément deviner. Moi, j'y vais. Vous avez intérêt à deviner, du coup, j'ai la confiance. Quoi. Mes chers compatriotes, Emmanuel Macron. Ah, on n'est pas loin. Il y a la même tension sur les côtés. Je suis heureux de vous retrouver Michel ce Galabru. Soir. J'ai trouvé, j'ai et de vous dire Jean très chaleureux. Un pervers devant un lycée. Pour vous. Oui, bah, avec un long imper noir. Non, vous avez deviné, évidemment, Daniel Canivès nous a fait Jacques Chirac du Pont. Bah voilà, heureusement qu'Alexandra Rost suit.
Je suis heureux de vous retrouver ce soir. On était très loin. Et de vous dire les vœux très chaleureux que je forme pour vous. Pour vous. Alors, j'entends avec impatience notre invité, Olympe. Olympe, tu sais ce que tu vas faire? Ben non, je sais pas de faire. Alors, tu vas faire, tu vas nous faire ça. Ça ou là? Là, là. Ah, super. Alors, bien dans le micro. Ah, je dois lire? Oui, bien sûr, ce serait mieux. Ah non, mais... Bah oui. Non, d'accord, non, mais je fais dans le texte. Avec la fin, là, qui est là. Oh, pinaise, des beignets à la banane. Marche Simpson. Maïté, Bob l'éponge. Tu le fais super bien. Oh, pinaise. Oh là là. Oh là là. Ça peut durer longtemps. Non, ça... À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.